Il y a des mots qui font mal. Vous savez qu'on peut se faire mal avec des coups, mais avec des mots, on peut faire très très mal. La non-violence, ça s'apprend. C'est le titre de la rencontre organisée pour des centaines d'élèves. Jean-François Bernardini est artiste, mais aussi conférencier. Il a créé en 2002 l'ONG Corse Humani. L'un de ses objectifs, c'est la sensibilisation à la non-violence. Il effectue depuis son travail militant en France, en Belgique et en Suisse. La violence est sans doute le virus le plus virulent aujourd'hui sur la planète. La langue chacal est partout. Et que si on a le sentiment d'avoir quelques anticorps, quelques vitamines, un petit vaccin entre guillemets qui peut arranger ça, il ne faut pas se priver d'aller jardiner dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les prisons et partout. Il a rencontré des élèves d'école primaire de Sarreguemines et alentour. Pour capter l'attention des jeunes, il utilise des animaux pour faire comprendre les différents types de comportements qu'on peut avoir sans même s'en rendre compte. La langue chacal, c'est la langue vulgaire. Girafe, c'est quand tu es poli. Et moutou, ben, c'est quand tu regardes faire. Après une heure d'échange, les élèves ont bien en tête les explications et les conseils donnés par Jean-François Bernardini. C'est pas très sympa de dire des choses méchantes et que bah, ça peut blesser, qu'avec certains mots, on peut beaucoup, beaucoup blesser des personnes, donc faut vraiment faire attention. L'artiste s'est ensuite rendu au collège Fulrade et au lycée Simon-Lazare de Sarreguemines pour évoquer la non-violence et la gestion des émotions et des conflits avec les ados. Vos parents vont vous dire « Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fumé de la moquette à l'école ce matin? Tu m'as l'air d'avoir changé. Parce que je suis un peu plus girafe. »